c'est Mamadou Lamine Boudia, président de l'ENO du Niona, par ailleurs président de la Fédération nationale des étudiants de l'Union Tchèchka. Aujourd'hui, c'est un choix qu'on a fait avec un âme conscient de venir visiter ici le ferme agricole de Alassane Diatta. Vu qu'aujourd'hui, tout le monde se pose dans le monde de l'entrepreneuriat, vu que le système de l'insertion professionnelle est saturé. Raison pour laquelle on a choisi de faire une visite agricole afin d'inciter les étudiants de venir vraiment travailler sur la terre. Vu qu'aujourd'hui, chacun veut travailler au niveau de l'administration. Chacun veut avoir de l'argent du ticotac. Il y a même des jeunes qui bravent la mer pour aller chercher la meilleure vie. Alors que ici, en Casamance, ici au Sénégal, là où nous sommes, on peut trouver notre vie, on peut gagner notre vie ici en Casamance. Raison pour laquelle on a choisi de venir faire ici une visite sur le ferme agricole de Alassane Diatta pour faire appel aux étudiants de venir vraiment entreprendre, aussi participer au développement de notre cher pays. Merci. Vraiment, vraiment réconforté. Mon JE s'appelle JE Nature. Nature, c'est une abréviation. Chaque lettre a une signification. Ça veut dire nouvelle astuce pour la transmission des usages raisonnables dans l'environnement. Donc, étant un forestier, dans toutes les activités que je mène, il doit falloir mettre là l'empreinte d'un forestier. Et vous allez voir tout de suite dans l'exploitation, vous verrez la main d'un forestier ici. Parce que quand il œuvre dans le domaine agricole, il faut chaque fois changer, mettre là des techniques permettant de gérer concrètement les espèces, la nature quoi. Il faut bien gérer la nature. Il ne faut pas trop détruire parce que le fait de mettre là de mauvaises pratiques agricoles, ça tend à installer systématiquement le désert. Et si le désert venait à s'installer, vous voyez que là-bas, par exemple, au niveau du Sahara, on n'a pratiquement pas d'habitation là-bas. Et les gens fouillent pour aller vers les milieux les plus cléments où il y a des arbres longs. Si donc nous, on est appelé à se nourrir, il doit falloir concrètement qu'on travaille la terre. Et en travaillant la terre, il faut mener les bonnes pratiques agricoles pour que demain, nos cultures profitent de la création du microclimat faite par ces arbres-là. Donc, sur le terrain ici, vous allez voir ce qu'on est en train de faire ici. Et chaque fois ici, je crée de l'emploi. Et mon installation dans cette zone, dans la commune de Niamon ici, a une influence systématique sur le comportement des populations parce que déjà bientôt, il y a beaucoup de personnes qui viennent acheter des arbres ici pour s'adonner à la plantation. Maintenant, au lieu que les jeunes se lancent dans le phénomène de Jakarta ou bien la carbonisation, les gens commencent à se soustraire progressivement et petit à petit de ces activités qui n'ont aucun avenir. Et ils vont se lancer dans le domaine agricole et d'autres activités qui peuvent générer des revenus. Voilà, donc c'est comme ça. Je pense que si vous avez besoin de poser des questions,